Allez, Johnny, viens-t'en. Gâteau, Johnny. Hein, ouais. Il y a des peintres qui viennent de quatre coins du Québec, même de Radisson. D'autres personnes de Bécomont. Napierville. Saint-Jérôme, c'est pas loin, mais la belle, et puis d'autres, s'il vous plaît, Sainte-Thérèse, Pontiac, Grandeville, ben oui, c'est la rouge, Québec. La passion du pinceau, les couleurs de Prévost, ses beautés on célèbre. Les éclats de couleurs, des couleurs, l'harmonie, devant elle on s'arrête. Se restaurer, peindre ensemble, créer l'amitié. Et c'est ensemble, encore longtemps, on va continuer. La passion du pinceau, les couleurs de Prévost, ses beautés on célèbre. Les éclats de couleurs, les couleurs, l'harmonie, devant elle on s'arrête. Se restaurer, peindre ensemble, créer l'amitié. C'est Colette Lamour Jumez. J'ai connu le symposium de Prévost en 2001. J'étais venue en tant que visiteuse. J'ai adoré, j'ai aimé la simplicité des exposants, la gentillesse, la manière dont ils nous expliquaient. Et je me suis dit, l'année prochaine, je serai parmi elles. Le paysage de montagne, la Prévost, ça m'a impressionné beaucoup. C'est qu'on voit très différent que les montagnes dans notre pays. Ici, la montagne s'allongeait et ça donnait une douceur. Oui, là, et puis c'est tellement quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Et en plus, j'ai des amis ici, oui, je viens chaque année pour profiter la beauté de la nature et profiter l'amitié de tous mes amis. Oui. Ben moi, avant je peignais seulement pour moi, je ne montrais pas mes peintures à personne. Puis je suis déménagée à Prévost en 2006. L'année suivante, on m'a dit qu'il y avait un symposium ici, je suis venue voir, puis j'ai demandé si je pouvais participer. On m'a accepté. Et puis, depuis ce temps-là, je viens tous les années. Puis, j'adore ça. Les gens sont tellement gentils. Puis, c'est bien organisé. C'est vraiment bien. On rencontre plein de gens. Puis, les artistes sont de très grands talents et très diversifiés aussi. Je trouve ça bien. Ce que j'aime du symposium de Prévost, c'est l'accueil, c'est les gens qui exposent, c'est tout ce qui entoure le symposium de Prévost. C'est vraiment l'ambiance du symposium. C'est vraiment fantastique. Ouais. Je suis Denis Baudet, ça fait 8 ans que j'expose à Prévost. C'est un super bon symposium, c'est un super beau symposium. Beaucoup d'artistes qui sont plaisants là, à avoir évolué à travers les années. Puis justement, la durabilité du symposium, on voit les artistes évoluer, puis c'est super plaisant de voir ça.
Ça fait 7 ans que je suis à Prévost. J'adore l'ambiance, les artistes, le partage, les petits déjeuners le matin. C'est très chaleureux. Écoute, le symposium de Prévost, pour moi, c'est... Je vis des rencontres, des moments de magie depuis 10 ans. À toutes les années, je fais des rencontres avec des gens que je ne reverrai peut-être jamais et des gens aussi qui reviennent à toutes les années pour le symposium, pour qu'on puisse se redire bonjour, se refaire un câlin. Et puis, c'est ce plaisir-là, ce bien-être-là que je vis à toutes les années, de revenir dans mon espace, le même espace que j'habite à toutes les années, tu sais. Fait que je suis comme un peu enraciné dans cette partie de terre-là qui m'est chère. Je m'appelle Stéphanie Thompson, j'habite à Radisson, à la baie James. Je suis descendue pour l'occasion parce que le symposium prend beaucoup, beaucoup d'ampleur à chaque année. Je voulais participer à ce symposium, c'est mon premier. C'est la première fois que je fais un symposium. Puis les rencontres qu'on fait ici sont merveilleuses, les échanges qu'on a. L'échange d'énergie avec les gens, c'est merveilleux. Il faut venir nous voir. Il faut. La peinture, c'est le plus beau des passe-temps que j'ai découvert. Ça fait 6 ans seulement. Autodidacte, suite à un arrêt de travail de 3 mois, tout simplement. J'ai commencé tranquillement avec une peinture à numéro, carrément. Puis là, la passion ne m'a pas... m'a pris. Je suis allé chercher des petits caniveaux de 8 par 10 avec des petites bouteilles de peinture acrylique, magasin à 1$. J'ai commencé comme ça. Graduellement, j'ai grossi. Mais là, c'est la peinture animalière qui m'intéresse surtout. Oh, c'est extraordinaire parce que c'est la rencontre avec les gens, la rencontre amicale. Je sens une complicité, un bien-être dans l'art, dans la solidarité aussi. Il y a eu beaucoup de solidarité en fin de semaine, puis ça m'a beaucoup plu. Cette belle... c'est une magie, un sympo. Puis les témoignages que j'ai eus, j'en ai encore la chair de poule. Les gens passent, puis disent « c'est beau, puis on va voter pour toi », puis ça donne du power pour aller plus loin. Et c'est ma première fois comme exposante. J'ai beaucoup, beaucoup aimé l'expérience. Je trouve que les gens sont chaleureux, très généreux avec les petits déjeuners, le thé glacé l'après-midi. Malgré la température, on s'amuse et puis j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié l'expérience. Mais pourquoi donc toujours fuir une tempête? Jean-Pierre. Merci, Lise, pour ta vision du symposium il y a 15 ans, pour ton amour de la peinture. Jean-Pierre, merci pour avoir permis au symposium de prendre forme aux côtés de ta compagne Lise. Merci d'avoir été photographe, monteur et démonteur de gazebo, gérant autant des artistes que du parking. Vous êtes un couple formidable. Pour Jean-Pierre et Lise, et Pépite! Aller au bout de ses rêves, pour laisser des traces, une trace, mais des traces, puis connaître des gens fabuleux. Moi, c'est ça qui est mon essence. Merci beaucoup. J'en reviens pas. Vous allez m'avoir d'ici demain. Merci beaucoup. Oui. Ce fut un plaisir de faire ce travail après toutes ces années. Je pense qu'aujourd'hui, on va prendre une pause. Je suis certain que le symposium va continuer dans la même veine, dans la même vision.
parce que les personnes qui vont prendre la place sont averties. Merci beaucoup pour votre marque d'appréciation. Merci à vous. Merci à vous. À d'autres occasions, hein? Alors moi je veux des vols, oui. Mais je pense qu'avec les artistes, c'est émouvant de vous accueillir avec le nombre d'années que vous avez consacré, là. C'est le 15e anniversaire, donc on est très heureux de votre implication. Vous allez continuer, on va vous aider. En fait, le symposium, il a grandi un petit peu avec la gare. C'est qu'il y a 15 ans, quand le premier symposium a eu lieu, on célébrait le centenaire de la gare de Prévost. Et à cette occasion, Lise et Jean-Pierre, à l'époque, et moi, on avait pensé inviter des artistes. Et finalement, ça a eu beaucoup de succès. Il y a une quarantaine de peintres qui se sont présentés. Ça a donné une dimension artistique à la gare. C'est pas juste la gare qui est sur le petit train du Nord, la seule gare, entre parenthèses, qui est ouverte toute l'année, mais c'est aussi la gare où il y a plusieurs événements artistiques. Vu qu'une des missions premières du comité de la gare, c'était justement de créer ce mouvement de rencontres et d'échanges et de stimuler la vie communautaire, le symposium a vraiment été un bel atout pour faire tout ça. C'était une petite gare, une gare centenaire à Prévost-Laurentide. Un peu délaissée, on l'a restaurée, puis un couple intrépide. Lise et Jean-Pierre eurent l'idée d'y inviter les artistes peintres. Vous savez, c'est ma dernière année comme présidente du comité du symposium. Alors, il faut en 2012 que je vous dise merci aux visiteurs, merci aux artistes, aux bénévoles, à tous les gens qui, de près ou de loin, ont participé au symposium depuis 15 ans. Alors, Madame Depont, qui est ma relève, Alors, Madame Depont, je vous passe le flambeau.